Si elle a pris sa décision, j'en suis absolument convaincu. Absolument convaincu. Elle l'a prise par équité. Elle l'a prise par analyse de la situation. Et elle l'a prise avec une évaluation extrêmement précise de ce qui s'est passé. Je pense que la justice est indépendante. Et je crois que le garde des Sceaux a pris les dispositions qui lui semblaient nécessaires dans un moment difficile. Je pense qu'on est devant aussi une circonstance exceptionnelle. Monsieur, s'il vous plaît, on vous remet de l'autre côté. Finalement, l'antisémitisme n'a pas été au cœur de ce procès. Il faut maintenant qu'il le soit. Il faut que ce procès soit public pour les prévenus qui étaient majeurs au moment des faits. Et il y en a, ils sont nombreux, ce qui permettra aujourd'hui de poser un débat public autour de ce crime qui est un crime antisémite.